Pour les pairs, 2017 a été une année riche en événements et je suis heureux de pouvoir les évoquer avec notre nouveau directeur, Peter Mertz. freue mich, Claude aufs 2017 zu Sur le plan de l'étranger, nous avons été très préoccupés par la crise des réfugiés. Nous avons été présents au Nord-Irak, au Liban, en Syrie. Et puis, dans le cadre de l'aide humanitaire, la sécheresse, les guerres civiles ou les guerres tout court en Afrique nous ont préoccupés, que ce soit au Sud-Soudan, en Éthiopie, au Zimbabwe, en Ouganda. Et finalement, notre campagne de recherche de fonds annuelle était consacrée aux réfugiés du camp de Chatila, à Beyrouth. 80% der Menschen leben im ländlichen Raum. Die Familien, die Kleinbauern, die leisten einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherheit. HEX und ihre Partnerorganisationen unterstützen die Bauernfamilien in einer ökologischen und klimaanpassten Produktion, in einer guten Verarbeitung und in einem Verkauf ihrer Produkt auf der regionalen Markt. Mit repressiven Gesetzen werden die immer mehr Ländern die Meinungsfreiheit und Mitbestimmungsrecht eingeschränkt. Das ist auch so in den Programmländern von HEX, beispielsweise in Äthiopien, in Kambodscha, Honduras oder in Simbabwe. HEX klärt Menschen über ihre Rechte auf und unterstützt sie im Dialog mit der Regierung. Mit dem rechtsbasierten Arbeitsansatz haben wir auch in 2017 in verschiedenen Ländern Erfolg gehabt. Als Beispiel möchte ich Simbabwe erwähnen. In Simbabwe haben wir Bauern unterstützt, die sich gegen die Landvertreibung gewehrt haben. In einer Demonstration sind Les gens ont été nous nous pour que les À l'origine de son action, les Pères avaient développé la coopération avec les Églises de l'Est. Et aujourd'hui, avec les difficultés qu'il y a au Proche-Orient, nous avons étendu cette action de coopération inter-Église, avec le Liban en particulier. Les chrétiens jouent un rôle important de relation, de coexistence entre les religions dans cette partie du monde, nous les soutenons. Et les Églises réformées sont soutenues par nos soins dans leur travail d'aide aux enfants traumatisés par la guerre ainsi qu'aux jeunes gens. C'est un travail important. Un schwerpunkt de la Inlandarbeit est l'engagement engagement pour les gens der la flotte, qui viennent à nous in die Schweiz kommen. Dazu gehört auch la Kampagne Farbe bekennen für eine menschliche und offene Schweiz. Abschluss und Höhepunkt von der Kampagne Farbe bekennen hat den Nachmittag in Bern auf dem Bahnhofplatz gebildet. Dort haben sich Schweizer und Flüchtling getroffen und gegenseitig voneinander gelernt und sind sich begegnet beim Schwingen, Alphornblasen und Jodeln. Il y a en Suisse des exilés, étrangers, migrants, réfugiés, qui ont une formation professionnelle de très bonne qualité, mais qui ne trouvent pas de place dans le monde du travail parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus, parce qu'ils ne savent pas comment s'engager. Et notre projet Mosaïque trouve place pour les aider, pour les former, pour les aider à s'intégrer au monde du travail. C'est bon pour eux, pour qu'ils deviennent autonomes. C'est bon aussi pour l'économie suisse, qui souvent manque de forces qualifiées. Migrantinnen und Migranten werden in der Schweiz häufig sozial ausgrenzt. HEX unterstützt die Menschen bei der Integration. So haben wir im 2017 zwei neue Projekte entwickelt. Das eine, HEX at Home in Bern gibt die Möglichkeit, Migrantinnen im Schweizer Haushalt mitzuschaffen und so den schweizerischen Alltag kennenzulernen. Das zweite Projekt im gundeli Quartier in Basel, wo interkulturelle Vermittlerinnen Fremdsprachige Eltern ihre Erziehungsaufgabe beraten und 2017, c'était une année à succès. Plus de 80 millions de francs de chiffre d'affaires et surtout, c'est le plus important, 1 million de personnes qui ont bénéficié de notre aide dans le monde entier. Herzlichen Dank an unseren Stiftungsrat, insbesondere an scheidenden Stiftungsratspräsident Claude Rue. Vielen Dank auch an unsere über 50.000 Spenderinnen und Spender, die uns ermöglicht haben, im Kleinen Grosses zu bewirken. Danke vielmals. Un Grand merci.